Devant une salle comble, Yannick Dehaes exulte. Il peut savourer sa victoire et à domicile. Le jeune boxeur montois remettait en jeu son titre de champion de France dans la catégorie mi-moyen et la pression était maximale, celle de jouer sur le ring qu'il a vu grandir. Je suis chez moi, je suis montois, je suis fier d'être montois. Gagner ça ici, c'est une fierté, c'est depuis tout petit qu'on rêve ça. Pour moi, c'est vraiment une fierté de gagner ça ici devant tout le monde et mon public. Il a fait son travail, le travail qu'a dû lui dire son père. Hein. Il a fait le boulot et son titre, il le garde. Hein. Logiquement. On est des amis de Yannick, on vient de faire 200 km. Donc c'est top. Quoi. Donné favori face à l'Alsacien Tamas Avdiev, il a su frapper fort et juste. Invaincu depuis 17 combats, troisième français dans sa catégorie, Yannick Dehaes a dominé les 10 rounds. Sous les yeux de son père et entraîneur, l'enjeu était double. Conserver la ceinture et faire vivre la boxe à Mont-de-Marsan. La difficulté, c'est toujours pareil, c'est l'histoire d'argent, il faut trouver l'argent pour organiser. On a de la chance cette année, des partenaires ont bougé avec nous, ils nous ont suivis, donc c'est super. On espère après redéfendre encore la ceinture une troisième fois, et pourquoi pas faire un championnat d'Europe. Après ce deuxième sacre, le boxeur landais peut viser plus haut et rêver de combattre au niveau européen.